Là, en nuit. Mesdames, Messieurs, l'Europe est victime d'une tragédie sans précédent. Depuis plusieurs mois, des populations entières de migrants se déplacent, traversant la Méditerranée, vers notre continent, venant de l'Afrique noire, du Maghreb et du Moyen-Orient. Ils étaient des milliers hier, ils sont des dizaines de milliers aujourd'hui. Ils seront bientôt des centaines de milliers à investir chaque mois notre sol européen en empruntant le chemin de l'Italie ou le corridor des Balkans. En vérité, très peu de ces migrants clandestins quittent leur terre natale pour fuir la guerre ou se protéger de leur régime autoritaire. La plupart d'entre eux rejoignent l'Europe pour des raisons et des motivations essentiellement économiques. Car l'Europe, mesdames et messieurs, est regardée par tous ces parias de la terre comme un Eldorado, comme une terre d'abondance, comme le ventre mou de l'Occident qu'il convient d'occuper très vite en profitant de son impotence. Ce phénomène migratoire de masse est une véritable bombe à retardement. Nous devons être lucides, mes chers compatriotes. Les migrants clandestins ne peuvent être réduits à des acteurs économiques potentiels, taillables et corvéables à merci, comme beaucoup le voudraient du côté du patronat allemand ou français. Avec l'arrivée en Europe de ces peuples entiers, ce sont donc des univers culturels conquérants qui s'engouffrent et s'installe progressivement, mais sûrement, sur notre continent. L'issue de ce processus historique est claire. La déstabilisation définitive de l'identité des peuples européens qui ne